je pourrais vous parler de ce que j'appelle le déclencheur, parce qu'il y a toujours un déclencheur pour un roman, et il y a aussi une origine. Le déclencheur, c'était une amie psychanalyste qui songe à arrêter son travail de psychanalyste, parce que voilà, parce qu'elle a un âge qui fait qu'elle songe à ça, et qui un jour m'a parlé de la difficulté qu'elle avait à archiver toutes ces années où elle avait pris des notes, et elle m'a parlé de ses agendas, et elle m'a dit, bah, tu vois, tous ces agendas, je les ai regardés, et je me suis dit, alors ma vie, c'était ça. Et ça m'a beaucoup frappée. Et du coup, les agendas apparaissent dans La patience des traces. La patience des traces, on est avec Simon, qui est un psychanalyste, qui a un certain âge, et qui a compris qu'il allait falloir qu'il arrête, mais pour des raisons qui lui sont encore inconscientes. Et au début du roman, il y a une brisure. Il y a le fait que son bol du matin lui échappe des mains. Ce bol avait une histoire et il se retrouve avec le bol cassé. Et il sait qu'à partir de là, tout va aller très vite. Comme ça arrive parfois dans nos vies. Donc on a cet homme qui est un homme en apparence très calme, joueur d'échecs, psychanalyste, etc. Qui en fait est un véritable volcan intérieur et qui a décidé d'aller vraiment écouter ce silence qui est le sien et voir ce qu'il y a dans ce silence. Et donc il part, il quitte la ville où il vit depuis toujours. Et il demande à un ami de lui trouver un lieu parce que lui n'est pas voyageur. Et cet ami, qui est un partenaire d'échecs, lui trouve un lieu qui corresponde à ce que lui a dit Simon, à ses désirs. Et ce lieu se trouve dans les îles Yaeyama, qui sont des îles tout à fait au sud du Japon. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler les Antilles du Japon. Une mer très chaude, tout à fait autre chose que ce qu'on attend du Japon. Et il va se retrouver dans une maison d'hôte dans ces îles. Et là, il va faire la connaissance du couple âgé qui tient cette maison d'hôte. Et avec eux, il va cheminer beaucoup. C'est un rapport très fort. De toute façon, je pense que les gens qui ont déjà lu mes textes savent bien que mes textes sont orientés de la psychanalyse. Il y a le travail que moi-même j'ai fait sur le divan avec Claudie Cachard, qui était mon analyste et qui vont mes remerciements en mémoire de cette femme que j'ai trouvée remarquable. Donc moi, j'ai fait un travail psychanalytique qui a été très important pour avancer dans ma liberté intérieure profonde, pour me donner, par exemple, le droit de quitter l'enseignement et de n'être plus qu'à l'écriture, ce que j'ai fait il y a 20 ans. Et quand ce travail analytique a trouvé son accomplissement à un moment, j'ai pensé à être psychanalyste. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est étonnant, j'ai pensé à la Crète d'abord parce que c'est le lieu où je passe une partie de ma vie aussi. Mais ça n'était pas ça. Je sentais que ça n'était pas ça. Il fallait un inconnu plus fort que ça. Ce qui m'a emmenée vers le Japon sont deux choses. D'une part, les textiles, le textile ancien japonais qui me passionne, parce qu'il y a eu des tissages faits avec des fibres de bananier, enfin des choses extrêmement intelligentes et brodées, enfin il y a des merveilles dans les textiles anciens japonais. Moi, je suis amoureuse des tissus. Il y a aussi un documentaire que j'ai vu sur Arte, qui s'appelait Au fil du monde. Et dans ce documentaire, on allait sur l'île d'Iriomote, qui est une des îles Yaeyama, où se trouve une femme qui a maintenant 80 ans, qui tisse de façon traditionnelle et qui teint les tissus.
Et c'est son mari qui va chercher les plantes dans la forêt primaire qui entoure leur lieu pour qu'elles puissent avoir ce qu'il faut pour teindre. Et en fait, ces tissus se retrouvent chez les plus grands couturiers. Et c'était tellement beau ce documentaire, de la voir travailler, ça m'a transportée vraiment. Et ça, j'ai rencontré ce documentaire alors que j'étais déjà en écriture. Ça, c'est dans les choses étonnantes. J'avais donné le prénom d'Akiko à la femme qui tient la maison d'hôte et qui a une collection de textiles, et je découvre que celle qui tisse s'appelle Akiko. C'est très joli. Et dans la série comme ça des coïncidences, j'en ai parlé à Françoise Nissen, chez qui j'étais, à un moment, à Arles. Et elle me parle de ce documentaire. Et je lui dis, mais je l'ai déjà vu, Françoise. Et elle me dit, tu sais qui est la réalisatrice? Je dis, non, mais c'est très beau. Elle me dit, eh bien, c'est la voisine. Et on a dîné chez la voisine le soir même. Donc, elle a pu me parler en plus de sa rencontre avec cette femme qui est vraiment, qui vit complètement ailleurs, quoi. Et ça a beaucoup, après, travaillé le roman. J'étais très contente d'avoir choisi les Iliayama. En fait, je pars avec... Il y avait ce déclencheur, c'était les agendas, et se dire que toute la vie d'un être humain est là-dedans. Finalement, qu'est-ce que ça voulait dire quand elle m'a dit « alors toute ma vie, c'est ça ». Ça veut dire que le psychanalyste, finalement, a passé pas seulement du temps de sa vie, mais il a donné sa vie quelque part, là. Donc ça m'est profondément resté en tête. Et au départ, je voyais un psychanalyste qui se mettait comme ça en suspens de son travail, et j'imaginais qu'il y avait 3 cas non résolu, qui venait le hanter. Ça, c'était comme ça dans ma tête. Mais en écrivant, il n'est plus resté qu'un seul cas, qui est le cas de Lucie F., c'est l'initiale de son nom de famille, qui est cette femme qui déménage tout le temps, qui ne cesse de quitter les lieux qu'elle habite. Et cette Lucie F. revient dans le roman. Nous saurons ce qu'elle est devenue. Mais Simon, lui, ne le saura jamais. Or, elle l'a quitté de façon assez abrupte. C'est pour ça que ce cas lui reste profondément en tête et en mémoire. Et en même temps que lui chemine, il y a le cas de Lucie F. qui s'éclaire autrement dans sa tête, en même temps que lui fait son propre cheminement. Voilà, les choses, elles s'écrivent comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas. C'est une aventure, au même titre que vivre en est une, que la psychanalyse en est une. L'écriture, pour moi, est une aventure vraiment. Si je savais tout, je n'écrirais pas. Ça serait ennuyeux. Ce que j'aime bien, c'est sentir que je vais toucher des zones à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore touchées et qui vont s'éclairer, qui vont me bousculer aussi, hein. On ne sort pas indemne d'une écriture, mais c'est ce qui m'intéresse.